Sikha du Rabbi sur Parce qu'il y a des gens qui vont louper le meilleur cours, un des meilleurs cours de Rabbi Daniel. C'est son perpétuel monté. Ils m'ont dit, mais alors, quel cours? Tu nous as dit, on a... il a pas dû la mettre. Alors ça, c'est maintenant une sikha sur Chag HaSukkot. C'est pris du Chelek Dalet. Sur Chag HaSukkot. Alors, c'est expliqué dans Torah Tachassidut. Chez Kol Ha'inyanim Anim Shachrim Be Rosh Hashanah, que tout ce qui vient à Rosh Hashanah, et c'est pas simplement Be Ptimut Shel Rosh Hashanah, c'est-à-dire Be Yom HaKippurim, parce que Yom Kippur c'est finalement aussi Rosh Hashanah, mais plus profond encore, Be Elem Bachese, Baim Be Giloui Le Yom Hagenu Be Chag HaSukkot. En fait, ce qui était voilé à Rosh Hashanah ou à Kippur se dévoile réellement à Sukkot. Alors, c'est-à-dire qu'on va voir vraiment la profondeur de ces jours-là, on les voit pendant Sukkot. Beinyanim haikarim shel Rosh Hashanah ve Yom Kippourim ou itachdut shel kol bnei Yisrael. Une des choses très importantes, Rosh Hashanah et Kippour, et on l'a senti spécialement d'ailleurs à Kippour, c'est qu'il y a une union de tous les bnei Yisrael. Shel kol avoda azi bepnimiut haneshama bikshu panai mitzat pnimiut haneshama hare kol bnei Yisrael shavim. Tu peux m'attendre 2 minutes. Ouais. Pas depuis le début, on va reprendre après, c'est bon. On voit en réalité que, du point de vue de ouais. C'est quoi l'idée? C'est la relation directe, comme on a expliqué, face à face avec Hachem. On cherche la face de Dieu. Et ça, hein, ça demande de chercher, de sortir notre intériorité, notre pnimiut. Et du point de vue de la pnimiut, tout Israël est égal, parce que l'âme divine qui est dans chaque juif, en fin de compte, elle est égale chez tous. Donc il y a une idée de Ardout, oui. L'union de Yechida, qui est le plus haut niveau de la Neshama. Yechida, c'est qu'elle est justement unique. Elle est unique, elle se retrouve chez tous et chez chacun. Alors Anéina, elle se dévoile, si tu veux, mais en fait, déjà depuis Rosh Hashanah, hein, elle est là. Mais où est-ce qu'on va vraiment la voir de manière... effectif, si tu veux, dans une avoda extérieure en quelque sorte, c'est pendant Sukkot. C'est ça, on va revenir après sur ça avec le Lulav. Moi, quand on voit Yitzhak Avinu, par exemple, avec Yaakov et ça, avec... ça soit une, cette partie-là, tout le monde voit donc cette potentialité. Quoi, oui, c'est ça. Oui, on a tous un chélec. Il a pas un... Il y a... c'est égal. Ça. Il y a. Si tu veux, il y a l'union du Oren Sof. L'infini, enfin la lumière de Dieu, elle est sans distinction. Elle est pashout. Il y a un niveau dans notre être qui est ce niveau unique, qui est cette étincelle divine, si tu veux. Tu vois. Or, en fait, on travaille dessus pendant Rosh Hashanah Kippour. On essaye de... C'est ça la teshuva, c'est revenir, reconnecter avec cette âme divine et essentielle, cette identité profonde qu'on a hérité effectivement de Avraham et de Yitzhak et de Yaakov, mais qui est donc unique. Donc il y a une idée d'unité. S'il y a une idée d'unité, effectivement, on voit ça aussi chez la Chen Amitardim Kulam Beyachad Netzavim Ayom Kulchem. On a vu que le Zohar explique que ça, on est tous dressés depuis les chefs de tribu jusqu'aux plus simples personnes. C'est, on est tous debout devant Dieu. C'est quoi? C'est au jour de Rosh Hashanah quand on prie. Mais Mirachechem, Shiftechem, Atrotev, Tseicha, Veshoim, Mimecha, Itardut Zou, Shel Kol Bene Israël, Ba'a Be Giloui, Be Kol Einyanim, Shel Rosh Hashanah, Be Yom Kippourim, Be Chag HaSukkot. Et ça, c'est vraiment à Sukkot qu'on va le voir, si vous voulez. C'est déjà là, Rosh Hashanah à Kippour, on est tous sur le même plan, on est tous devant la lumière de Dieu. Mais maintenant, à Sukkot, ça se révèle. Kifi, je me vois, mes Midrash. Le fameux Midrash qui est connu, qui compare en réalité les 4 sortes de Béné Israël avec les 4 espèces du Loulav, enfin des 4 espèces qu'on va secouer. Chez Arba, Minim, chez Notlim, Bechag, Sukkot, Meramenezim, Sugim, Hachonim, chez Béné Israël. Comme c'est marqué que le péri est Sadar, c'est-à-dire en fait le Etrog, Elou Israël, Ma Etrog, Ze Yeshbo, Ta'am, Yeshbo, Roua, Reach, Kar, Israël, Yeshbaem, Bne Adam, Yeshbaem, Torah, Yeshbaem, Maasim Tovim. Et déjà dans le Etrog, qui contient tout, puisqu'il contient à la fois, il a la bonne odeur et à la fois le bon goût, il représente les béné Israël qui ont à la fois de la Torah et à la fois des mitzvot. La Torah, c'est le bon goût,
on va voir. Et les mitzvot, c'est la bonne odeur. Pourquoi Torah, Taham, pourquoi la Torah, c'est le bon goût? Chekhen limud Torah tzarir liyot be'avana v'asaga. Parce que quand on étudie la Torah, il faut comprendre, il faut qu'il y ait une asaga, il faut donner un taham. Le taham, ça veut dire le goût, ça veut dire aussi la raison, c'est quelque chose que tu donnes, que le sechel peut goûter en quelque sorte. Ou ma'asim tovim, par contre, les ma'asim tovim, les mitzvot, les bonnes actions, c'est quoi? C'est reyer, c'est l'odorat. Chekhen kiyu ava mitzvot tzarir liyot be'ikar be'kabalat ol. Et il faut comprendre ce que ça veut dire, mais l'idée c'est que quand on fait Kabbalat Ol, quand on se soumet pour faire des mitzvot, puisqu'on fait, on fait l'ordre d'Hachem, en quelque sorte, on fait passer un Ruach HaKodesh qui est le nian du Réa. C'est vrai que c'est comme ça, parce que le Réa, moi, c'est un peu associé à l'étude, non ? Ouais. Alors, ouais. Mais ici, le Midrash, il le compare à ça. Le rabbi va en reparler de ça. Mais le pshat simple, c'est que ce qui prend du goût, ce qui a du goût, si tu veux, c'est la Torah. Alors que la mitzvah n'a pas de goût. Elle n'a pas de goût parce que tu te soumets. Tu fais juste... C'est pas une question... Alors, quand on dit qu'elle n'a pas de goût, les mitzvot aussi, elles ont un taam, en vérité. Mais tu fais pas la mitzvah parce que tu as compris le taam. Tu fais la mitzvah parce que c'est l'ordre d'Hachem. Après, les tamés à mitzvot, ça vient après, si tu veux. Il y a aussi une croque-moi, il y a aussi un goût dans la mitzvah, bien sûr. Mais le Icar, c'est le bitoul. Le bitoul, c'est... Il n'y a pas de tam, tu ne fais pas parce que tu as un tam. Alors que dans la Torah, dans l'étude même de la Torah, il y a un yann d'être mévin, de comprendre le tam, surtout dans Torah chez Baalpé. Et il y a même un yann de oneg dans la Torah. C'est-à-dire que si il faut... Disons, des fois, tu étudies parce que tu fais Kabbalat Ol, tu n'as pas envie d'étudier, tu te forces. Mais, derrière Klal, il faut arriver à rentrer dans ce tanouk de l'étude, ce plaisir intellectuel, mais qui est plus qu'intellectuel, qui est un plaisir de la Neshama, d'être en dvekout avec Hachem, dans l'étude de la Torah. Donc, mais ça passe par le tam, ça passe par le oneg de comprendre quelque chose. Alors, viens meilleur, parce qu'on est en train d'expliquer... Hein. Maintenant ici qu'à Sukkot, on va révéler l'unité du Klal Israël. Et pour révéler l'unité du Klal Israël, une des choses qu'on voit, c'est que dans les loulaves, dans le bouquet qu'on amène à Sukkot, il y a les quatre espèces, et ces quatre espèces correspondent aux quatre sortes d'Ebnei Israël. Et le loulav, qui est le inyan de la Torah, lui, il est le fruit, enfin, c'est une branche du palmier. Le palmier, il donne des dattes, les dattes sont sucrées, c'est donc que la Torah, elle représente l'idée, enfin, elle est représentée par le fruit, enfin, la branche de l'arbre qui donne du goût, c'est lié avec le goût, avec le taam, parce que l'étude de la Torah... les quatre catégories, c'est le rachat, le bénoni, le tzadik et... Non, c'est celui qui fait Torah au mitzvot, c'est le etrog. Ah ouais, tu es pas pour... Le talmid chacham, c'est-à-dire celui qui fait surtout... Le talmid chacham, c'est-à-dire celui qui fait surtout du... de l'étude de la Torah, ça c'est la branche de palmier, et puis la myrte, le hadas, qui a une bonne odeur, c'est surtout celui qui fait des mitzvot, pas spécialement de l'étude, et plutôt dans les ma'asim tovim, et puis la harava, elle est aussi importante, c'est celui qui n'a pas vraiment non plus de mitzvot ni de Torah, mais c'est le hamaren si tu veux, mais il a aussi sa place dans le cas d'Israël. Alors, et même, il est très important, parce que si on n'a pas de hadas, si on n'a pas de harava, si on n'a pas le saul, eh bien, le bouquet n'est pas complet, on ne peut pas faire la mitzvah. C'est bizarre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours des harava. Ouais. Quand même toujours. Ouais. C'est comme le bonheur dans la... Ça veut dire, c'est pas un but que tout le monde ne soit pas... Alors, en fait, on va voir justement dans cette idée du yichud, ça ne veut pas dire que quelqu'un, il n'a pas vraiment de Torah mitzvot. Tout le monde doit avoir la Torah de Mitzvot. Mais où est-ce qu'il est le Icar? Parce que ça, c'est un grand principe qu'on retrouve dans les Sephirot, si tu veux, ou dans toutes les forces, dans les Midot. C'est que c'est pas... C'est, quand tu dis il y a Chesed et il y a Gvura, par exemple, il n'y a pas Chesed pur. Donc Chesed est toujours un parti de Gvura, sauf qu'il y a plus de Chesed que de Gvura, c'est pour ça qu'on l'appelle Chesed. Dans Gvura, il y a plus de Gvura que de Chesed, c'est pour ça qu'on l'appelle Gvura. En fait, dans chaque sphira, chacune des 10 séphirotes, il y a toutes les séphirotes, sauf qu'il y en a une qui est plus en évidence. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc tout est dans tout. Donc même quand tu vas dire, par exemple, Rabbi va le souligner pour le Talmid Racham. Talmid Racham, c'est celui qui a la Torah
Et pas tellement de Maasim Tovim. Mais dis-moi, s'il n'a pas de Maasim Tovim, c'est pas un Talmid Chacham. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui veut pas. Et quelqu'un qui étudie la Torah et qui veut pas pratiquer, c'est appelé un rachat, tout simplement. Ou quelqu'un qui étudie la Torah et qui dit moi j'ai de la Torah et le reste j'en ai pas besoin, c'est Eni la Torah, Afilu Torah Enlo. D'accord. Il explique que c'est quelqu'un qui a de la Torah, mais qui a surtout de la Torah et moins de Maasim Tovim. C'est secondaire pour lui, Maasim Tovim, parce que tout son inyan à lui, c'est la Shkeda. Il est en train d'étudier jour et nuit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des Maasim Tovim. Et quelque part, c'est vrai pour les autres. Même Maaret, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un chiyuv d'étudier la Torah, mais il va étudier un petit peu. Et il va, peut-être qu'il ne va pas avoir tellement l'occasion de faire des Maasim Tovim. Mais il en fait quand même. Tu m'avais dit aussi que c'était vrai qu'à chaque Gilgoul, un Gilgoul, tu vas être un Maaret, un autre Gilgoul, tu vas être Talmid Chacham, un autre. Et que dans chaque Gilgoul, même quand tu es un Maaret, eh ben, il y aura un moment où tu auras été Talmid Chacham, tu auras été. Tu te rappelles de... Ça peut être aussi ça. Ouais. Parce que c'est des cycles avec des cycles dans le cycle. Ouais, des fois, on voit ça. Voilà, ça dépend quelle partie se réincarne. Si c'est le Nefesh, ou si c'est le Rouar, si c'est le Neshama. Alors, et donc, Ve Anaf et Savot, Elou Israël, Ma Adas Yeshbo Reyav Ve En Botaham, car Israël Yeshbo Baem, Yesh Baem, Ma Sim Tovim Ve En Baem Torah. Donc, on trouve. Effectivement, l'Arvenachal et l'Israël, donc le Midrash distingue les quatre choses, ce qu'on vient de dire ici oralement. Alors, je suis au deuxième paragraphe dans la colonne de gauche. Yetera Mizu, Beitachdut Shel Chag Asukot, Nifal Alav, Legabe Itachdut Shel Rosh Hashanah, Viyom Akipuri. Alors, il y a quelque chose ici maintenant, dans Sukot qu'on trouve. Qui vient en plus en quelque sorte par rapport à Rosh Hashanah et Kippour, c'est que Beitardut shel Rosh Hashanah v'yom Kippour, v'yom Kippour ena nikeret itardut shel kol asugim b'bnei Israël. On voit pas l'union de toutes les sortes de bnei Israël. Pourquoi? Parce que be'avoda shel tkiat shofar de Rosh Hashanah ou be'tshuva shel yom Kippourim murgash rak inyan klali. C'est vrai qu'il y a une union. Tout le monde est uni à Rosh Hashanah et à Kippour. Mais ce qu'on regarde dans cette union, c'est que tout est dans le même ensemble. Il y a une claloute. Alors on est tous au même niveau, tout le monde est là, on est tous là en train de faire tchouva, on est tous là en train d'écouter le shofar. Mais on ne reconnaît pas encore la spécificité de chacun. C'est ce qu'on va voir après plus pendant Sukkot. Erche kol bene Israël shavim mechamat avoda shel pnimiut hanefesh. Et ça, c'est profondément dû au fait que c'est une avoda qui vient de la profondeur de l'âme, et on a vu que de la profondeur de l'âme, on est tous sur le même plan. Ou milechatrila l'onikav ashinui sheben asugim, mais on reconnaît pas encore la différence qu'il y a entre les différents types, si vous voulez, de Bnei Israël. On voit que tout le monde réveille la même nekuda, la nekuda de la pnimiut hanefesh, et tout ça quelque part c'est tout égal. Merci beaucoup, mais on ne voit pas encore la spécificité de chacun. Qui Amshacha iba kessé. Tout est encore couvert. C'est encore discret. Aval bechag asukot ba'im kol chilukei asugim lidei gilui. Mais maintenant, dans Sukkot, tu vois dans le loulav, tu vois quatre espèces. Dans le shofar, tu vois une seule chose. Le shofar, il représente le cri qui est dans chacun, la pnimiut halev qui se réveille. Maintenant, dans le loulav, c'est pas un seul fruit, c'est quatre fruits. C'est quatre espèces. Donc, quatre espèces, on voit la distinction de chaque type du klal Israël. Ouais. Aetrog, a loulav et roulé nikarim. Adraba, a mitzvah, mitbatat, bekarche, yitelu dafka arba minim, bekolzot naase, me arba sugim, a shonim, a gouta achat. Et l'idée, en réalité, c'est qu'on doit prendre ces quatre minimes qui sont différents les uns des autres et les unifier dans un même bouquet, dans un même lien. Donc on voit la différence, maintenant, au sein de l'unité. C'est-à-dire que dans Rosh Hashanah, et qui pour l'unité du peuple juif est à un niveau primordial, si vous voulez, c'est qu'on a tous la même identité profonde, qu'on touche du doigt. Mais maintenant, cette unité à Sukkot, elle se révèle au travers de la diversité et de la multiplicité des types
de Bnei Israël ici. Alpia mevoa bemidrash. On a Otbet. Yotze sheitrog ou anela mikol arba minim. Donc, d'après le midrash, a priori, ce qui est plus important, c'est le etrog. Évidemment, pourquoi ? Parce que il a les deux qualités, à la fois celle de l'odorat et celle du goût, c'est-à-dire celle qui représente celui qui est complet, celui qui à la fois étudie et à la fois pratique. Tam vereya. Gam erumez al sug anelam chez Bnei Israël, elu sheyesh bahem gam Torah ve gam mitzvot. Ach lefize le mouvan. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que tu dis que c'est le etrog le plus important. Alors, pourquoi la bracha qu'on fait sur cette mitzvah, c'est al netilat lulav? Pourquoi on n'a pas fait al netilat etrog? Si le etrog, c'est le plus rachouf, effectivement, on a l'impression que c'est lui qui contient tout. Et pourtant, on fait le lulav. Alors là, il y a un point qu'il faut expliquer. D'accord? Pourquoi on a mis l'accent sur le lulav? Mets l'accent sur le etrog. On dit, t'as acheté ton lulav, t'as ton lulav, t'as fait la mitzvah du lulav. Al netilat lulav, c'est les chachamim qui ont fixé ça. C'est pas simplement que nous, on a pris l'habitude. Mouzmar atam alkar, chez et abracha aussi malalulav, mi kevan ou gavua mioter aminim. La raison qui est donnée, c'est parce qu'il est plus grand que tous. Effectivement, quand tu prends le bouquet, celui qui est le plus imposant, c'est le lulav, il est dépassé. Même dans l'alaha, il doit faire 4 tfachim, alors que les autres doivent faire 3 tfachim. Donc il est théoriquement plus grand. Davarzet aon esber, kol aminim ou beprat inyane amitzvah. Suratam misiotam agashmit, ou mishum shekar em advarim beshorsham aruchani. Mais a priori, on a envie de se dire, mais d'accord, ok, c'est un truc physique, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, à quoi ça sert, qu'est-ce que ce genre, qu'il soit plus grand soit... Oui, s'il est plus grand, et s'il est plus grand alachiquement, c'est que dans la source, il est plus élevé au niveau spirituel. Chez mimeno em nimshachim. Et ça veut dire, s'il est plus élevé, ça veut dire que c'est de lui que les choses sortent. C'est comme si tu dirais que le lulav va représenter la plus grande sphira et que les autres sphirotes, les autres midot, les autres forces, elles proviennent de cette force-là. Ouais. Vinken, ze atzmo chez alulav gavua begashmiut meyoter aminim areze mochia chez beruchaniut yesh lo yitron alminim areim. Donc de là, on voit que s'il est plus grand physiquement, ça veut dire que spirituellement aussi, il a une supériorité sur les autres. Or, a priori, c'est ça la question. Comment tu peux dire que le lulav il est plus important spirituellement que le etrog? Ok, physiquement, mais comment tu peux dire spirituellement? Re lulav, et lulav yeshra tam bilvad. Il a juste le goût, donc c'est juste l'étudiant de la Torah. Le etrog, il est mieux, il a les deux. Alors, Advarim Ivanu Beekdim à Evdel Sheben Torah le Mitzvot. Alors maintenant, il faut comprendre là. Le Rabbi va donner une clé essentielle, qui est une définition, entre guillemets, chassidique, de la différence entre Torah et Mitzvot. Alors, les Mitzvot ne marchent en Evarim de Malka. C'est marqué dans les Tikkuné Zohar que les Mitzvot sont comme les membres du roi. C'est une expression, un symbole, comme si on avait un roi et ses membres, les bras, les mains, etc. Qu'est-ce que représentent les membres? Ils représentent quelque chose qui est plus extérieur que l'essence, que le nefesh, si vous voulez. Le nefesh, l'âme, elle se diffuse dans les membres. Mais les membres, c'est comme... C'est déjà dans l'extériorité, quelque part, par rapport à l'essence de l'âme. À la mitzvot, Neymar, chez Evarim de Malka. À la Torah, en revanche, sur la Torah, il est écrit « Oraita avec Kuchabrichu » Kulachad, la Torah elle fait un avec Dieu. Donc les mitzvot, c'est les. Si on peut prendre, évidemment, il n'y a rien de physique dans Dieu, c'est juste un symbole, une image. Que les mitzvot se comptent comme les membres de Dieu, c'est une image. Alors que la Torah, c'est Dieu lui-même. Ouais. Donc évidemment, on voit donc que la Torah, elle est plus profonde que les mitzvot, de ce point de vue-là. À la Torah, Raïta Vekuchabrikou Kulachad, Ivreg, Agouf, Enam, Davarechad, Minima Nefesh. Effectivement, les membres, ils ne font pas un avec le Nefesh. Mais le but de la Torah, c'est faire la Mitzvot. Oui. On va voir. Emomnam, Betelim, Ala Nefesh. On a l'impression aussi qu'on est en train d'expliquer le contraire de ce qu'on a l'habitude d'expliquer dans la Chassidot. Ok ? Mais on va aller jusqu'au bout. Alors, Emomnam, Betelim, Ala Nefesh.
Bon, les membres, ils sont battel au nefesh. Si la main, elle bouge, c'est parce que l'âme anime la main. Ouais. Et le corps, en fait, les membres du corps, ils remplissent la volonté de l'âme directement. Miyad, qui chez un nefesh, c'est le bécard. Quand l'âme, elle veut marcher, bah, tu te marches, donc ton pied, automatiquement, il va suivre. Ouais. En tout cas, on espère. Aval becholzot, en un nefesh. Même si les membres du corps, ils obéissent au nefesh, ils ne sont pas le nefesh. C'est différent. D'accord ? Karu gam bekiyum mitzvot. Eh bien, c'est la même chose dans les mitzvot. D'accord ? C'est ça qui est intéressant. En morot ou me batot et abitul shel adam le akadosh boku. Quand tu fais une mitzvah, finalement, tu permets au roi d'exercer, à Kadosh Baruch Hu d'exercer sa volonté. C'est-à-dire que la mitzvah, elle exprime le bitoul à Dieu. Comme le membre, il est batel au nefesh. D'accord ? En réalité, finalement, c'est le ratzon elyon, la volonté suprême, qui est en train de s'exercer quand on fait une mitzvah. Aval bechol zot, notara mitziyuta prati atzmit shel mikayem haTorah ve'enu mitached kaviyachol imabore. Mais malgré tout, quand tu fais une mitzvah, c'est pas encore un yichud complet au Créateur. Pourquoi ? Parce que il y a encore quelqu'un qui fait la mitzvah. Il fait la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu s'exprime au travers de l'acte que tu es en train de faire maintenant. Mais tu es encore là en train de faire l'acte. Tu n'es pas encore unifié complètement avec le Créateur à ce moment-là. Baram, il y a des limouds à Torah. Ce qui n'est pas pareil dans l'étude à Torah. Pourquoi ? Parce que dans l'étude de Torah, Avana Vesaga, quand tu commences à comprendre et à toucher du doigt vraiment ce que tu es en train d'étudier, Keshe, Sechel Adam Masik Kivyachol, lorsque tu arrives à comprendre intellectuellement, et Trochmato Shel Akadosh Baruch Kivyachol, évidemment, la sagesse de Dieu, Achesichlo Naase Sechel Shel Torah, jusqu'à ce que ton Sechel devienne un Sechel de Torah, ce qu'on appelle Da Torah. Sechel de la Torah, Azou mitahed alié d'écart im chokmato shel akadosh baruchu. Alors à ce moment-là, c'est comme si tu t'unifies avec le chokma de Dieu. Ton sechel devient un avec le sechel divin. Ce qu'on appelle le sechel apoel, l'intellect actif, c'est quand justement notre sechel il devient un avec le sechel de la Torah. Sheu veochokmato echad. Et comme lui, il est un avec sa chorma, alors du coup, on fait un avec Dieu, par l'étude de la Torah. Donc il y a un plus grand yichud, une plus grande dvekout, a priori, dans le limud de la Torah. On va voir. Pour l'instant, on est en train d'expliquer pourquoi on va faire la bracha sur le loulav. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des mise-votes. Non, mais on peut faire comme le lulav, qui on a, ça veut dire qu'il n'a pas de mise-votes. Alors, Chazak. Alors, on va voir que celui qui dit Enli la Torah, a fait le Torah Enlo. Ouais, donc il a un peu de mise-votes. Non, mais ça veut dire que. Parce que la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que étudier, ça peut exister. Il y a l'union de Rabbi Shimon Bar Yochai et Vechavera, ou Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Oel, enfin dans la grotte, pardon. Mais pour l'instant, viens, on suit le texte. Mikivan shea yitron amiyuchat shea limud haTorah ou shea liado nifa la yichud imakadosh bochum, on tourne la page. Are mouvan shea bechol shea kechol shea adam mitmaser le limud vehavanat Torah gam kar gam ou mitached yoterim elouk. Donc, puisqu'on voit que la Torah, finalement, c'est ce qui nous relie à Dieu, alors plus on va étudier, plus on va être moser nefcho dans le limud de la Torah, plus on va s'attacher au Elokut. Ou la reine, Miché, Massour, les gammes de limud de la Torah, Loulav, quelqu'un qui est complètement consacré à l'étude de la Torah, c'est-à-dire que c'est ça que représente le Loulav, c'est quelqu'un qui se consacre à l'étude. Chejbaim Torah, Ve'embaim. Alors, c'est ça, en réalité. C'est qui ? C'est le Loulav. Shejbaem, Torah ve'en ba'em masim tovi. Alors là, ici, le rabbi il rajoute une grande parenthèse dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Il dit c'est évident que le loulav, c'est-à-dire le Talmid Racham, c'est quelqu'un qui étudie, qui se consacre à l'étude. C'est sûr aussi qu'il fait des mitzvot. Parce que s'il ne fait pas du tout de mitzvot en disant, moi,
je crois qu'une mitzvah, le gars il fait même pas Shabbat, mais il étudie la Torah, ça s'appelle Racha. Zot Hot, et pas seulement ça, mais ça veut dire que celui qui dit qu'il a pas de Torah, qu'il a que la Torah, mais même la Torah il l'a pas vraiment. On parle Kan Medoubar ou Odot Mishemé Kayama Mitzvot Veyesh Shloma Simtovim. En fait, on parle de quelqu'un, c'est qui le loulav? C'est quelqu'un qui étudie la Torah et qui se consacre à la Torah, mais qui a bien sûr aussi quelques Masim Tovim. Et là, chez Oumekamim, Rak Ad Kama, chez Oumekhouyav Alpid Dineh Shulchan Aruch. C'est quoi ce qu'il fait? Il dit, bah, il y a des mitzvot, il faut qu'on fasse des mitzvot. Il fait Shulchan Aruch. Aval ou Masur Veshakoua Belimouda Torah. Mais, son écart, lui, c'est le limon. Il étudie. C'est quoi le truc? Alors, le truc, c'est qu'il va aussi faire plus que le Shulchan Aruch. Il va s'investir dans les Maasim Tovim, dans Gmilut Chassadim, dans l'Inim de Keila, dans d'autres choses. Mais aussi, il étudie la Torah. Mais aussi, bien sûr, c'est un Talmid Chacham aussi, quand même, bien sûr. Mais il étudie la Torah comme le Lulav, parce que... Oh, en fait, quelque part, c'est un chassid, si tu veux, mais... Areou meyuchad ima elokut, yoter mimi shiou mesoga etrogal. On revient. Notre loulav, qui donc, lui, il est attaché à la Torah. Et la Torah, c'est un avec Elokut. Donc, puisque Kutchabrichou veut être Achadou. D'accord ? Donc, lui, et il est plus dans un Yichoud avec Elokut que le Hétrog. Pourquoi ? Parce que le Hétrog habite ma sœur, en le Limoud à Torah, et en le Kiyoum à Mitzvot. Ce qui n'est pas complètement que dans le Limoud. Chez Ken Mikavan Veou, chez Veou. Mitmaser, l'oracle est Torah, étant donné qu'il n'est pas simplement consacré à la Torah, même si Avshigam, Shehar, Advarim, M. Kiyum, Ratson, Eliot, même si. C'est pour que tu. Pour appliquer. Pour appliquer ce que tu as appris, de le faire descendre dans le monde matériel. Oui. C'est pas le laisser de, une sorte d'intellect. Non, regarde, c'est juste aussi au niveau du Maasé. Khazak. C'est sûr. Le but. Le but. Mais le but. Oui, mais il faut faire plus que je prends. Pour être un être. C'est le lien de Priyat Sadar, c'est le lien de Hidurim, c'est le lien de d'être Meader, d'être Lifne Mishuratadim, d'être de chercher la, l'embellissement des mitzvot. On n'est pas en train de dire que le seul qui peut être attaché à Dieu, c'est ouais, le Lulav. C'est le truc le plus important. Mais c'est que la âme Shachal va passer par lui. Ce que nous, on va recevoir, ça va passer par ce tzaddik-là qui vient, qui puise dans l'étude de la Torah. En vérité, on a les quatre espèces en nous. D'accord. Mais on est un peu plus ça, ou un peu plus ça, suivant peut-être des périodes de notre vie aussi. Rechali Famim. Alors, bien qu'en réalité, attention, hein, les mitzvot aussi, c'est Ratzon Elyon. Ce qu'il vient de dire, entre parenthèses. Mais le rabbi continue. Rechali Famim. Atsafta ve'achibouk shelo. Imelokut ubedarga itardut anifalet aliede kiyum mitzvot. C'est sûr que, attention, tu peux t'attacher à Dieu aussi par les mitzvot, évidemment. Mais c'est pas la même chose que l'étude ou l'attachement par l'étude. Mais c'est peut-être par rapport à la perception de l'extérieur. Si tu prends dans le pchat, tu vois, quand on voit quelque chose de grand de l'extérieur, quelqu'un qui est hors ça, parce que finalement c'est pour toucher des juifs et même toutes les nations. Donc quand tu vois quelqu'un qui s'impose, qui est grand, tu vas voir d'emblée, tu vas avoir un respect, tu vois, qui va être plus grand pour cette personne. Même au niveau maintenant du rabbin, quand on voit quelqu'un tout le temps étudier, on va plus le respecter que quelqu'un, tu vois, qui va aller, même s'il étudie tout ça, qui va à un moment donné, il va faire des tu comprends, on va dire, ah, lui, s'il est dans la Torah, c'est un... Oui. Je pense que ça, d'emblée, ça donne une plus... C'est sûr, ça a l'air plus authentique. C'est ça, ouais. Ouais. Mais l'idée ici, à un niveau plus du son, c'est que la itardout, si tu veux, quand tu fais une mitzvah, tu t'attaches à Dieu, c'est sûr. C'est mitzvah, c'est tsafta, c'est l'idée d'attachement. Mais quand tu étudies la Torah, quand tu étudies, tu comprends, etc. Tu connectes avec la Chorma divine, donc tu connectes avec Dieu encore plus. Si tu veux. C'est plus pnimi. En réalité, dans les Mamarim, c'est expliqué que la Chorma, la Torah, le Chorma, le Nafkat, le Bichinat Chorma,
Et donc c'est un niveau de pnimi, c'est Chochmastima, c'est un niveau de d'itardout à bepnimiot. Alors que la mitzvah, elle vient de Keter, d'un côté c'est plus élevé, sauf que c'est une lumière qui vient à Mitzad Makif. C'est une yin de Sovev Kolalmin. C'est-à-dire que c'est une yin de Makif, et quelque part c'est plus élevé. Mais la Dvekout, elle est plus grande dans les Limoudatons. Attention, des fois tu peux faire une mitzvah, tu peux sentir quelque chose de très très kadosh. Alors en tout cas, la réponse par rapport à la question de pourquoi on a choisi la bracha du moulav, au-delà simplement de la grandeur physique, c'est parce qu'il y a une supériorité aussi spirituelle qu'on vient d'expliquer. La chen madgishim. C'est quoi par rapport au imam qu'on a quatre espèces différentes, qu'on a choisi le moulav? C'est lui, quelque part, il a une chachivout encore plus grande. Parce que c'est l'idée de. Le fait d'être consacré sur l'étude de la Torah. Étant donné que l'étude de la Torah, c'est la plus grande vécoute. Alors finalement, c'est par là que ça va. Pourquoi on appelle le plus le Etrog? On dit, hein, le Etrog, il faut les tzadikim, les histoires qui mettent leur dernière. Et pourquoi pas le Oulam? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi. Voilà, ça c'est des connaisseurs. Donc le connaisseur, le tzadik, on est qui va tout donner pour un étrog. Uniquement. C'est pas que. C'est, si tu veux. Sûrement qu'il y a une. Sûrement qu'il y a une shlemout qui est plus grande dans le étrog. Le étrog, il est plus complet puisqu'il a les deux. Il a le tam et le réa. Donc finalement, c'est sûr qu'on vise plus être un étrog qu'un loulav. Mais. La source du Shefas, là où on va l'épuiser, c'est avec le Lulav. C'est pour ça qu'on fait la bracha dessus. La bracha, ça veut dire la Hamshacha. Le Lulav, il représente le Kavemsaï, c'est le Vav. Parce qu'en fait, bon, voilà, on va y rentrer. C'est-à-dire que le Hadas, c'est le Yud. On a jeûné hier. Le Hadas, c'est le Yud. Okay, c'est le Yud. La Harava, c'est le E. Le loulav, c'est le vav, et le etrog, c'est le eharon, malchut. D'accord. Enfin, atarat ayesod. Alors, ça, c'est quand on voit sur les quatre lettres yud kevav ker. On peut le voir aussi sur les dix sphérotes, parce que le hadas, c'est le yud, c'est chokma binadad. Après, le vav, c'est tiferet. Après, c'est on peut voir chesed gvoa. Enfin, je veux pas dire trop de. C'est chesed gvoa tiferet. Le Hadas et la Rava, c'est Netzar Od, et le Lulav, c'est Yesod, et le Etrog, c'est Malchut, ou Atarat Yesod, qu'on appelle Malchut, c'est Malchut de. D'accord. Alors, on a les sept espèces qui correspondent aux sept sphirotes inférieures. Et pas sept espèces, il y en a quatre, sauf qu'on en met sept. On peut rajouter plus de Hadas, mais il y en a sept minimum, c'est-à-dire trois Hadas. Un loulav, deux aravot et un etrog. Or, le loulav, il représente donc le yesod ou le kavem saï, souvent comme on voit, soit le vav, soit le yesod, en tout cas, tout ça, c'est la même symbolique. Et son inyan, c'est que c'est lui qui monte le plus haut, il va chercher dans le oren sof et il fait descendre tout en bas. C'est pour ça qu'on va faire les naanouim, le Rebbe va expliquer le sens des naanouim après. On va faire les naanouim pour aller faire justement cet amshacha. C'est une des raisons. On va chercher le shefa. D'accord. Mais celui qui permet ça, c'est le Yesod. Alors, en réalité, la finalité de Yesod, c'est Malchut. Malchut, c'est le Lulav, pas le Etrog. Le Etrog qui, lui, contient tout. D'accord. Lui, il est la synthèse complète. Mais, au niveau du Zahar, celui qui amène la Hamshacha, c'est le Lulav. C'est pour ça que c'est le lien de. Alors, parce que la bracha c'est une amshacha, c'est exact. La bracha c'est une amshacha. On fait descendre la lumière qui est contenue, la lumière qui vient par cette mitzvah. Vous les fisez, Yuvan, Mashanu, Motsim, Inyan, Meyuchat, Shualot, Gimel, Belulav, Shelo, Matsu, Beyeter, Aminim. Donc, on comprend maintenant pourquoi il y a une supériorité et pourquoi on met l'accent sur le lulav.
qui est dans et c'est quoi cette spécificité? Effectivement, c'est ce dont on vient de parler, c'est l'union des Na'anouim. Na'anouim, la mitzvah, si vous voulez, de Netilat Lulav, elle se résume normalement à prendre le bouquet. Ok. Maintenant, il y a quelque chose qui a été rajouté par les Chachamim, c'est les Na'anouim, d'aller secouer dans les six directions de l'espace. Alors, ça aussi, essentiellement, c'est vrai qu'on prend les quatre espèces, mais on va voir que ce qui est le plus important quelque part dans tout ça, c'est le loulav. Et on va expliquer pourquoi. Et c'est drôle, parce que ça, c'est comme un peu un ange troll dans le loulav. Plus le chanao. Il lève son loulav et ça y est. Ouais. Mais ce qui est le Icar des Na'anouim, il porte sur le loulav. C'est important ça. Av sha'olacha ve'uvava les shechet ketzavot nasim im kol arba aminim. En vérité, le fait de déplacer dans les six directions de l'espace, on fait avec les quatre espèces. Mais aval ananoua ki pshuto na'aserak im aloulav. En réalité, ce remue-ménage. Il se fait normalement spécifiquement avec le loulav. Ou bifrat, alpi mina graboteinu chez les achar kol olecho ayumenanim meat et aloulav. On voit qu'il y a un lien de alpi rabat de prendre après le loulav et de le secouer. C'est vrai qu'il y a les autres qui sont attachés, mais essentiellement on tient le loulav. Verak le achareken et aouva adkedeka chashuv ananoua imanoua. Ce qui vient que, quelque part, les Na'anouim, c'est-à-dire le fait de remuer, c'est quelque chose, et d'aller venir, c'est essentiellement avec le loulav. Ad she begin ka chayav shiye shiur gova aloula arba tfachim. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un tefar, c'est-à-dire une main plus grande pour le loulav, qui doit faire 4 tfachim, plus que les autres espèces qui font 3 tfachim, c'est pour qu'on puisse le saisir avec la main. Parce que c'est lui qu'on doit secouer. D'accord. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. D'accord. La Gemara, elle a dit pourquoi. Elle a donné une raison pourquoi 4 tefarim sur le loulav. Parce qu'il faut qu'il y ait un tefar en plus pour pouvoir le tenir. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on doit secouer. Donc on voit, hein, les Chachamim, ils ont fixé le lien des Na'anouim en vérité par rapport au loulav. Même si on entraîne tout le reste avec. D'accord. Alors, par rapport à ce dont on parlait avant, par rapport à l'étude de la Torah, etc., de quoi ça parle? Aneshamot kefishen, les ma'ala, nikrot beshem omdim. Il faut savoir que les neshamot, quand elles sont en haut, elles sont comme des malachim, elles sont omdim, elles se tiennent devant Dieu. D'accord? Quelle différence il y a ici, le rabbi met la différence entre omdim et malachim. Il y a soit tu es debout, tu ne bouges pas, soit tu es en chemin, tu avances. Alors, les ma'ala, les neshamot, elles sont, entre guillemets, immobiles. C'est une manière, c'est un symbole, évidemment. Beklalut em omdim be auto medrega. Qu'est-ce que ça veut dire, immobile? Ça veut dire qu'elles restent dans la même madriga. Sheken, aliot sheesh la em, sham, em beseder vadraga. En réalité, même si elles ont démonté, c'est vadraga. Elles vont monter d'un étage à un étage, mais elles ne bougent pas. Veyekar, shen neshama yoredet le mata be gouf. Maintenant, quand la neshama descend en bas et qu'elle fait Torah au mitzvot, alors maintenant, elle va pouvoir fonctionner autrement. Elle va pouvoir avancer. Elle ne va plus être simplement statique et stationnaire, dans des paliers stationnaires, mais elle va pouvoir avancer et grimper de madrigote et aller même au-delà de la draga. Elle va pouvoir monter d'un coup, faire plusieurs étages d'un coup. Chez Zoui, Amitat madrigat mealer. Et c'est ça la vraie définition du mealer. C'est-à-dire quelqu'un qui peut se déplacer, passer d'un étage à l'autre. Ofenze, shelilur ve'alia, blikvul. Et là, il y a plus. Attention, pas simplement passer d'un étage à l'autre, mais passer sans limite. Shanesham, asiga, alide, avodata, le matash, mitbata, gam, bekar, shebne, israel, mitnaenim, be'et, atfila, velimuda Torah. Alors maintenant, ici, c'est que quoi? C'est qu'on est en bas. Et maintenant, on peut se bouger, on peut avancer, on peut se déplacer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis très longtemps, c'est pas un truc nouveau, quand on étudie la Torah, ou quand on fait la Tfila, on est en train de faire ce mouvement que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire qu'on fait une allée-venue, ouais, on se déplace, on fait des Na'anouim, en bon hébreu, ok.
Valderer Anéma Bezoar. Et le Zohar lui-même, il parle de ce fait, du fait de prier comme ça, ou d'étudier alors, comme si ça. Si tu ne pries pas comme ça, c'est que tu n'as pas, pas un vrai juif. Alors ça, c'est pas sûr. C'est ça, c'est pas sûr parce que même, c'est marqué dans Shukranam, même le Rabbi Yosef Karo aussi, il parle de ça, de pas se promener. Mais le Zohar ici, il dit, chez Atam, Al-Kar, en fait, il n'est pas obligé de faire comme ça ou comme ça. Mais le Zohar, il dit, pourquoi les Béné Israël, ils font ça depuis tellement de générations ? Chez Béné Israël, mitnaenim bet limouda Torah, mishum shener avaya nishmat adam. Parce qu'en réalité, leur âme, c'est une lampe divine, c'est comme une flamme. Et dans la flamme, aneshama nimshara, nimshala lener, la neshama, elle ressemble à une lampe. Et quand tu as déjà vu une petite une bougie, qu'est-ce qu'elle fait, la flamme ? La flamme, elle bouge. Elle est comme ça. Elle reste pas immobile, la flamme. D'accord ? Keshem she'aner mitnaena mishum she'aneshama she'nimshar les shorsho. Et la raison qu'on donne dans les sfarim, c'est parce que c'est comme si la flamme, elle veut revenir vers sa source. Comme elle veut revenir vers sa source, elle puise de l'huile et elle brûle pour remonter. D'accord ? Car gam aneshama mitnaenet. La même chose si la neshama, elle commence à remuer, elle remue au moment de l'étude. Dvar amore al kar shi neshama nimshechet mitachedet al yedei atogiro imelokut. Donc ça prouve effectivement que la neshama, elle est unifiée avec elokut. Ve'av shetzavir l'ilmod Torah be'avana ve'asaga b'ligle levarer bebiyurut inyan betorah nidreshet. Itamkut beyeshut adat, beyeshut adat, chez Zehu efer ananoua. Alors, d'un côté, c'est un peu contradictoire, parce que quand tu veux comprendre quelque chose, quand tu veux vraiment comprendre quelque chose, tu es obligé de t'arrêter, et tu ne bouges pas parce que tu veux essayer d'intégrer, tu veux rentrer en toi la notion. D'accord ? Le yeshut adat, c'est que pour comprendre quelque chose, vraiment, il ne faut pas être agité. Il faut au contraire se poser pour vraiment poser les choses. Mais, malgré tout, dans le limo de la Torah, après ça, il y a du mouvement qui se fait, d'accord. Mais kol zot sarir liyot ananua beit limud haTorah leorot lanu shegam haTorah kifi shei melubeshet beasaga ichochmato shel haKadosh Baruch Hu vegam kasher haAdam osek beasagat haTorah sarir liyot nikar bo pnimiot ha'inyan advekut beKadosh Baruch Hu. Parce que quoi? C'est quand tu es en train d'étudier la Torah, tu es pas simplement en train d'étudier une matière profane, tu es en train de t'attacher à Dieu. Donc c'est pour ça que tu vas montrer que ton nefesh, pourquoi tu bouges? Parce que ton nefesh, il est là en train de bouger pour s'attacher à Hachem. Même si tu vas essayer de comprendre les Yushubadat, malgré tout, tu risques d'avoir un mouvement. Parce que la semaine dernière, tu nous as dit que nefesh, ça venait de anima, de ouais. Bouger, de mouvement. Ouais. Donc il y a aussi ce côté Chazak. Mouvement. Où... C'est ça. Alors, il y a le nefesh qui est le nyan de nefesh raya, qui est l'âme animale qui se bouge. Mais effectivement, même l'âme divine... Elle bouge comme une flamme, dit le Zohar, comme une flamme là, qui essaie de remonter vers sa source, parce qu'elle veut s'attacher à sa source, comme l'âme qui veut s'attacher à sa source, qui est Dieu. Là-bas, dans l'idée du feu, c'est vu dans les... Mais moi, comme ça, elle ne bouge pas comme ça. Elle comme là, de la flamme. Elle peut bouger. Elle bouge, elle vacille, etc. Elle bouge, pourquoi hein? Il y a du vent. Ouais, plus ou moins. Parce que... C'est un mouvement... C'est parce que en fait c'est de l'huile qui est épuisée. C'est une réaction de combustion, si tu veux. Donc forcément, ça monte et ça descend. Mais ce qui est expliqué dans les Sfarim plus anciens que la vision moderne, c'est que le principe ignier, le principe du feu, il est en haut, si tu veux, ça fait partie d'Arba Yesodot, le principe du feu, et la flamme, elle veut retourner vers son principe. D'accord. Le principe de le Yesod Afar, il est en bas. Donc c'est pour ça que tout retombe en bas. Donc c'est comme ça qu'on voit les choses chez les Rishonim. Donc c'est pour ça qu'il y a la pesanteur. C'est parce qu'il y a le Yesod Afar qui attire. Maintenant, le Yesod Aesh, il est les mains là. Alors la flamme qui est du Aesh, elle veut revenir à sa source. Mais en réalité, c'est un symbole pour comprendre que l'Neshama qui vient d'en haut, qui vient de la lumière divine, elle veut retourner vers sa source. Donc elle aussi, elle oscille. Pour revenir vers... Et le corps qui a été créé, le truc, il retourne le gouffre qui vient du Afar, alors il est rosé à l'Afar. Comme il vient de l'air, c'est noir.
Pourtant, c'est des irritations, inspiration, inspiration qui. Non, tu vois pas. Rien ni croire la chaîne. C'est effectivement, c'est l'inspire et l'expire. Alors, en fait, dans l'étude de la Torah, on va voir des Na'anouim. Alors, c'est intéressant de voir que les Na'anouim qu'on fait avec le Lula, c'est les mêmes Na'anouim que notre Nefesh il fait pour s'attacher à Dieu dans l'étude de la Torah. Ouais. Alors. Madrigue. On est où? Madrigue Taïlour, Blikvoul, Bah, Ketotsat, Mitvekut, Beakadashbour. Alors, elle était, cette idée d'avancer sans cesse, qu'il n'y a pas de limite, ça vient en réalité de la Dvekut avec Hachem. Chiou, Ablikvoul et Amiti. Parce que c'est quoi dans l'idée de Dvekut avec Dieu? Mais Dieu, il est infini. Par définition, c'est celui qui n'a pas de limite. Donc, c'est pour ça que si toi, tu t'attaches à ça, finalement, c'est quelque chose qui est illimité. Pour ça, tu peux avancer dans le limodat Torah. Ou mercha chez Amitiyut Advekut Beakadosh Bokhu, il y a des limodat Torah, Kena. Étant donné qu'effectivement, la vraie Advekut, c'est par le limod. Chez Aliyede Torah, Wika Elur Blikvul. Et que parce que c'est avec la Torah qu'en fin de compte, tu vas pouvoir avancer sans limite. La chen, Inyan, Naanu, Asher, le Torah. Donc, on comprend maintenant que l'idée de mouvement, des Naanouim, il est lié avec la Torah, c'est-à-dire que le Loulav. Puisque le lulav, c'est la Torah. Or, c'est la Torah qui est le mouvement. C'est ce qui met en mouvement, finalement, notre neshama. Dvekutzu, shel Torah, puelet, gam et ha'ilur bema'ase ha'mitzvot. Et ça produit même le mouvement qu'on va retrouver ensuite dans le ma'ase ha'mitzvot. Parce que dans le ma'ase ha'mitzvot aussi, il y a un mouvement. Kemo, shel yede, shemananim et ha'lulav, mitnanim, gam, sharaminim. Et ça te retrouve dans le bouquet, parce que quand tu déplaces le lulav, tu déplaces avec les autres minim. D'accord? Donc même dans les mitzvot, ça va être c'est ça aussi qui va te mettre en mouvement d'une mitzvah à une autre mitzvah, mitzvah goret mitzvah, que tu vas pouvoir progresser dans les mitzvot aussi. Mais Beikar, ça vient de cette animation qui vient par le limudator, par la saga. Dalet. Ana'anoua chez Batora. En pirouchou rakaïlour chez Bebechinat Blikvoul, Anifal, Aliédé Limoudatora. Et là, Gambé chez Belimoudatora, Atsmo Kayem, Inyan, Ananoua, Veadavar Mitbate, Bechne Prati. Alors en réalité, c'est pas seulement que la Torah elle te permet d'avancer sans limite, c'est que dans l'étude elle-même, il y a ce Inyan de mouvement. C'est pas que c'est ça qui te met en mouvement, c'est qu'il y a le mouvement lui-même dans l'étude. C'est quoi? Alors, c'est deux choses en réalité. Premièrement, l'imoud à Torah, ça rire l'iyot be ofen shel le afsha la be le afshalak be chol yoma. C'est quoi le afshalak be chol yoma? Ça veut dire être capable de rajouter chaque jour. Chaque jour, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour, tu dois faire un nouvel aracha, un nouveau inyan. Et c'est le bed à Torah, ça veut dire les itosef be chol yom inyan be l'imoud à Torah. Et il faut qu'on rajoute toujours quelque chose dans l'imoud. Vezehu ichad me haevdelin ben tfila le ben Torah. Mais tfila, nousar, ou dombe, betrolia. C'est la différence avec la tfila, parce que la tfila, c'est toujours le même sidour que tu es en train de lire. D'accord? C'est le même nousar. Imbi, merchol, bishabbat, ou kisode, bien sûr, il y a une différence entre Shabbat et les yom. Mais en tout cas, c'est toujours la même amida. Ouais. Aval, betorat, ça rire, l'itosef, betrolia. Mais dans la Torah, il faut rajouter. Premièrement. Deuxièmement, en adam, lome, omed, a divré Torah, et la gamken, nirchal ben. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui est intéressant. C'est que la Torah, dans son essence, il y a quelque chose de mouvement, mouvementé. Mouvement. Ouais, qui est en mouvement, c'est quoi, hein? C'est parce que. Cinétique. C'est parce que tu te casses la figure dedans et tu te relèves en permanence quand tu étudies la Torah. Tu te poses des questions, tu remets en question. On va voir, regardez, il va bien l'expliquer, s'il revient. Si tu veux comprendre un point précis parfaitement dans la Torah, par exemple un passage dans la Gemara, ouais. Il faut d'abord que tu fasses tout un processus d'étude, tu as pesé le compte, le pour, les questions, etc. D'accord? Et donc, Trila Mistaber Besechel Alomel. Et tu passes d'abord par un moment de confusion.
Tu commences une nouvelle sougia. Attends, je comprends pas ça, je comprends pas ça. D'accord ? Mais je comprends pas pourquoi Rachid dit ça. Si t'as pas ce « je comprends pas », tu peux pas vraiment étudier la Torah. D'accord ? Si t'as pas une question... Une question, c'est que tu comprends pas. Si on n'avait pas de question... Si on comprenait, on poserait pas de questions. Mais il y a une question et réponse. Shakla vetaria. D'accord ? Zvara bekivunecha. Acharkar azvara notele kivun sheni. D'un côté, on peut penser comme ça. D'un autre côté, on peut penser autrement. Regardez, ça rappelle le mouvement du loulav. Un coup à droite, un coup à gauche. L'étude de la Torah, il y a un mouvement comme ça. Regarde, même le mouvement du doigt qu'on fait, qui représente le mouvement du sechel, eh bien, c'est des na'anouim. D'accord ? C'est incroyable ce paradoxe du mouvement, qu'il faut des forces de frottement antagonistes pour avancer. C'est incroyable, ça. Il n'y a pas de... Même en physique, c'est comme ça. C'est la dialectique de l'étude. Acharkar, Uroé et Kivuna Shlishi. Puis après, tu vois un troisième point. Tu peux dire non, comme ça, ou finalement, quelque chose qui va être entre les deux. Vekar, ou Minanea et Asvara. En quelque sorte, tu secoues, tu remues l'Asvara, le raisonnement. Kol Shisha Ketsavot. Vous voyez l'image ? Dans les six directions. Alpi Kabbalah, parce qu'il dit dans la note 26, il y a une vague chez Besechel. C'est le nyan des six directions dans le Sechel. Parce qu'il y a les gares, il y a le vac. Six directions, le Sechel. C'est pour ça que quand tu étudies, tu peux étudier, par exemple, le Rizal, il était capable d'étudier selon six shitot de Rishoni. Et c'était Rifusin Sugia, il disait, il a expliqué d'après la shita du Rajba, la shita du Ramban, il retrouvait les six shitot qui correspondent à ces six sfirot, les six directions. Six et à la fin, il faisait la septième Alpi Kabbalah. Six jours de la semaine. Six jours de la Razak. Razak. La septième direction, c'est le cœur. Hein. Dans les mouvements des Na'anouim, on ramène tout vers le cœur qui est le centre. Qui est la malchut, qui est la malchut du cœur. Ou comme Shabbat, qui est le centre des six jours de la semaine. D'accord ? Ouais. Moi, j'aime les malchut du cœur. Ils font comme ça. C'est les travaux. Mais même quand tu fais comme ça, tu ramènes après vers le cœur. Parce que les Ashkenazim, ils ne se tournent pas vraiment vers l'ouest. En fait, ils ne bougent pas, si tu veux. Même chez les Ashkenazim, il y a plusieurs chitotes. Il y en a quand même qui se tournent pour la dernière direction. Un travail, ils ne tournent pas. Non, ils ne tournent pas. C'est les Ashkenazim, quoi. Les Sfaradim, c'est le. Ils mettent le corps aussi. C'est ça. Mais en fait. Mais... C'est pas sûr. Non, le Rizal était Ashkenaz. C'est pas le Rizal, non ? Si, mais de toute façon, dans les deux cas, on suit le Rizal parce que c'est les mêmes directions. C'est les directions, c'est-à-dire sud-nord, sud-nord, est, haut, bas, ouest. C'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Pourquoi ? Parce que Chesed, c'est la droite, c'est le sud. Ouais, c'est dernier. Gvura, c'est le nord, c'est à gauche. Parce que si on se tourne vers l'est. Ensuite, Tiferet, c'est l'est. Ensuite, Netzar, c'est le haut. Od, c'est le bas. Comme ça que c'est marqué dans Sefer Yetzirah. Et Yesod, c'est Ma'arav. Yesod et Malkout. C'est l'ouest. Qui est derrière si on se tourne vers l'est. Alors, Alpi Hanal, on est à la haute E. Alpi Hanal, Yuvan d'avoir pelé. D'après ce qui est marqué au-dessus, on peut comprendre quelque chose maintenant qui est extraordinaire. Les filles livraient un midrash. D'après ce midrash qui nous dit chez Aloulav Meramez al Baalei Torah, que le midrash il représente les Baalei Torah. Mishum shiesh bo tam ve'en bo reyar. Ayu tzrichim lichora litol lo et kapot atmarim ki yem et tamar atzmo. Mais dis-moi, si l'idée du loulav, c'est le bon goût, alors prends pas la branche qui n'a aucun goût, prends le fruit qui est la date. C'est le fruit du palmier. Pourquoi on aurait dû prendre une date à ce moment-là, kapot atmarim? C'est un excès. Hein? Le goût, en tout cas, il est dans. Le goût, il est dans quoi? Il est dans la date. Alors, regarde maintenant, ça va rejoindre un peu l'idée de l'Amshara, mais en tout cas, c'est l'idée de itardout, d'unification des.
les différents Béné Israël. Bigdesh et Yehudi, Echad, Itachadim Yehudi Sheni. C'est l'idée d'unification, d'unifier l'un avec l'autre. Alav liyot be bitoul. Pour ça, il faut qu'il y ait bitoul. Mishum chez Yeshut ve Gava, mafriot le itardout. Parce que dès qu'il y a de la Yeshut, qu'il y a de la Gava, qu'il y a de l'orgueil, qu'il y a de l'ego, eh bien, ça empêche l'union entre deux juifs. Ou kishem chez ou beruchaniut, car ou gam gashmiut. Et ce que tu vois au niveau ruchani, tu vois aussi begashmiut. Ou bekol echad mi arba minim, mi arba taminim. Donc on voit que dans les quatre espèces, il faut qu'il y ait cette notion de bitoul, sinon ils ne peuvent pas s'unir. Or c'est quoi le inyan de bitoul qu'il y a dans le palmier? C'est pas tellement dans la date, c'est dans la branche. Il faut montrer ce côté du bitoul. Peut-être aussi pour ça qu'elle s'est pliée. D'ailleurs, il y a ceux qui sont méadaires de prendre comme ça. La Sichta du Roche, c'est qu'il faut que ce soit comme ça. Pourquoi? Ça représente cette notion de bitoul. C'est bon si vous pouvez expliquer le lien que c'était fort en plus, il n'est que pour l'attraper. C'est pas pour qu'il soit plus haut. Donc, c'est pas qu'on met 4 et 3 à partir du bas. Si on met 1 en bas, et 3 en haut comme ça. Les massés, souvent on attrape les 4 aussi. Plus haut, mais c'est plus d'âme chacun. Les massés, c'est un peu différent, mais ce que tu dis, c'est juste. Alors, on est tous fatigués là. On va conclure parce que on est épuisé de Yom Kippour, bon. mais alors, en tout cas, donc c'est pour ça qu'on va prendre. Je vais faire un peu plus vite. C'est pour ça qu'on va prendre le loulav et non la date, parce que dans la date, c'est vrai que ça on voit plus le côté du goût, du goût, mais l'idée, il faut qu'on mette plus en avant ici maintenant. Avec évidemment l'idée du goût, mais en tout cas le côté du bitoul. Donc la branche est bitoul. Ouais, la branche est plus bitoul que le fruit. Le fruit, il a plus de yeshout. Le lien de kapot fat marim, ce qui veut dire en fait les branches de palmier, c'est le lien de kafout. Kafout, ça veut dire kofé, soumis. Dans le mot même, il y a l'idée de soumission. Ouais. C'est un dans l'autre. Oui, parce tout est. Mitzvah, c'est le bitoul. Absolument. Ouais. Parce qu'on est devenu. Même le etrog, il est le lignan de bitoul, comme c'est marqué, que etrog ou rosh et tevot, al teviuni, regel gaava. Ça veut dire. C'est ne m'amenez pas quelque chose qui est dehors de la gava, ok? Les filles amourlei, chez Belulav, yeshno yitron, afinu le gabe yitrog, bekar chez yeshlo raktam veloreya, la chen savir liyot gam Belulav, remez meyurat. Donc c'est pour ça qu'on prend la date, la branche, ok? Alors on arrive au Hodvav. Adam nimshal leilan, l'homme est comparé à un arbre, vous savez, l'arbre des champs, etc. Vesechel Shebo, balide bitoui ikar maalato shel adam, nimsha le perot. Le sechel, qui finalement quelque part est le plus important dans l'homme, c'est comme le fruit. Shem ikar maalato shel aetz. De même que l'essentiel dans l'arbre, c'est le fruit. Un arbre c'est très bien, surtout un arbre fruitier c'est très bien, à condition qu'on en prenne le fruit. Bemiuchad nimsha le sechel le tama. Et particulièrement, on sait que le sechel peut être comparé au datier. Chez Ignano, ou Taam, donc on a vu, c'est le goût, et pas l'odeur. Donc, il fait Ginebel et le Midrash, Moré à Tamar à la Torah. Et donc, effectivement, la date représente la Torah. Yitronam chez Al. Ok. Yitronam chez Aleaetz, ou Bekar chez Maginim à la Perot. En réalité, c'est quoi les feuilles ou les branches, c'est qui protège les fruits. Alors c'est pareil aussi dans le sechel lui-même. Amitiyut asvara ve'amaskana zehu aperi ve'ilu achak laveteria shel asvara amitaretzet umitbatelet et akushiot umagina ala sechel asmo mestira glapai ubedugmat ha'ilim maginim ala perot. C'est très important, ça veut dire que nous on croit que la Gemara peut-être pas
Il faudrait quoi Non, en réalité, toutes les questions, tout ce questionnement, et tout ce développement de la pensée, c'est lui qui protège la pensée. C'est lui qui protège finalement le Sechel. C'est pas... Il y a des gens... C'est ça qui fait toute la différence d'ailleurs de la pensée juive en réalité, par rapport à d'autres religions. C'est qu'il y a, il y a d'autres religions, on ne va pas les citer, où il n'y a pas d'études en fait. Où il y a un dogme qu'il faut apprendre par cœur. Il faut savoir, il faut croire des choses. Mais l'étude de la Torah, par définition, c'est la Gemara, le Talmud. C'est d'abord et avant tout de l'étude. Bien sûr qu'on arrive à une conclusion. La conclusion, c'est le fruit. Il faut arriver à une halakha, il faut arriver à une déa dans la Emouna. Mais sans le limoud qui va avec, c'est un très grand danger. Parce que tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe quel texte. C'est pour ça qu'il y a des règles très très précises dans l'étude qui permettent de comprendre les psukim et qui permettent d'arriver à la maskana nechona, juste. À la vraie conclusion. Mais si tu n'as pas tout ce travail de chaque lavétaria d'étude, en réalité, c'est comme si ton fruit, il risque. C'est-à-dire que tous les aspects, justement, il fallait les faire cohabiter, les unir. Chazak. Mais c'est ça, justement, la force. C'est pour ça que, si tu veux, finalement, c'est aussi une supériorité de la branche, de la feuille de palmier, par rapport au fruit du palmier, c'est-à-dire à la date. Donc, le plus important, c'est la date. Parce que si tu n'as pas les feuilles, le fruit, il va se faire manger. Ou il va... Dans n'importe quel arbre, s'il n'y a pas de feuilles, il manque quelque chose. On ne peut pas imaginer un arbre fruité sans feuilles. Finalement, la feuille qui représente le développement du Sechel, alors que le fruit représente la maskana du Sechel, eh bien finalement, c'est lui quelque part qui est le plus important, parce que c'est lui la clé. Les chrétiens qui étudient la Bible sans le Talmud, il leur manque l'essentiel. Parce que le Talmud, c'est pas... Les Ouais, exactement, les Zdoukim, déjà. Les Sadducéens. Pourquoi? Parce que il leur manque une analyse qui soit... Parce qu'attention, on peut pas dire n'importe quoi dans le Limoud. Le Limoud, il a ses propres règles. Il y a des règles d'exégèse, il y a des règles d'herméneutique qui font que qui font partie des règles de logique qui permettent d'étudier véritablement la Torah. Et quand tu suis l'étude et que tu fais cette étude, pas seulement tu as les règles, mais que tu l'as fait, et elle s'est faite sur des générations et des générations, c'est ça qui est confiné dans la Gemara et dans les commentaires de la Gemara. D'accord ? Et bien, quand tu fais ça, tu arrives finalement à réellement comprendre le vrai sens du verset ou arriver à une vraie conclusion du verset. Mais si tu n'avais pas tout ça, on pourrait faire n'importe quoi avec la Torah. Les fondamentalistes qui lisent le Coran n'importe comment, c'est parce qu'ils n'ont pas la Gemara. Ils n'ont pas une étude. Ou ils ont une étude qui est extrêmement manquante. Ouais. Mais, et donc finalement, tu peux arriver au contraire de l'esprit, de l'esprit du texte au départ, parce que tu l'as mal compris, ou tu l'as compris d'une manière complètement primaire, parce que tu n'as pas fait cette étude en profondeur pour comprendre. Alors c'est le Talmud. Donc c'est pour ça qu'ici, finalement, le plus important, ça va être cette feuille du palmier, le loulav, et non pas le fruit du palmier. Le Coran, il est même pas dit. Non, mais je parle dans l'idée de démarche intellectuelle, tu vois. Ils n'ont pas cette démarche intellectuelle. Mais je veux dire, même le... Bon, en tout cas... Il y a une sourate qui dit la femme, elle doit être dans l'ombre du pied. C'est pas divin, ça, de l'homme. C'est fantasme. Sûr. Alors... On arrive au Hotzaïn. Je saute un petit peu. Il ramène après ses liens de... Ce que je disais tout à l'heure, que Capote, c'est Kafout. Kafout, c'est-à-dire soumis, dit l'Agmara. On arrive au Hotzaïn. Aura, Mikola Amour, ou Tsrichim Lilmod Beofen chez Lula, les Tmaser, les Gambré, les Torah. Quand tu étudies, tu dois te mettre complètement dans l'étude. Ou Bet, Itardout, Imatora, Loyarer, Odot, Varim, Achirim. C'est ça le plus difficile à faire dans notre génération, c'est d'arriver à être concentré quand on étudie la Torah et pas laisser notre tête se disperser dans autre chose.
c'est très difficile parce qu'on est dans un monde de plus en plus dispersé. Notre cercle, il fonctionne comme un téléphone portable qui passe d'une application à une autre et d'un message à un autre. Ve'akavana bekar enarak le gabet talmide ayeshivot. Et on ne parle pas ici maintenant simplement des barhourim qui sont qui sont en train d'étudier jour et nuit. Et là, kamur lein shekol arba minim tzrichim liyot aguda achat. On est tous dans le même bouquet. Shiu kol kar meuchadim. Ce qu'on disait au début, c'est que chacun doit inclure les qualités des autres. Donc même si on n'est pas un Talmid Chacham, même si on n'est pas un Bachur Yeshiva ou un Avrer Kohel, malgré tout, on étudie tous la Torah. Et bien quand on étudie la Torah, on doit l'étudier comme ça, avec la concentration la plus grande. Ouais. Vezmanimele ba'em, je suis au paragraphe d'après. Mm-hmm. Même attends, m... ouais. Mm-hmm. Alors oui, tu as raison, il ne faut pas sauter ça. Shiu kolkam, donc, kelomar, shafilu eleshem besug arava, donc même si quelqu'un est de la arava, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il n'étudie pas la Torah et qu'il ne fait pas tellement mitzvot, tsarir shiye eslam zmanim kvouim, même ces gens-là, ils doivent avoir un temps fixe. Chez Bahem, Yu, Bebrinat, Loulav. Tu comprends? On a tous un Loulav en nous. Ouais. L'ilmot Torah, Beofen, chez Itardou, Gmoura. Allô? On va faire Marvej maintenant. Alors. C'est vrai, chez Islam, Zmanim, Gvouim, chez Bahem, Yu, Bebrinat, Loulav. L'ilmot Torah, Beofen, chez Itardou, Gmoura. Vezmanim, Ele, Bahem, M. L'homme Torah, Beofen Amu, Bepoel Aleyem, Shiitsu, Mima Madam, Matsavam, Shiyu, Islam, Ilur, Blikvul, Gam, Besharin, Yanim. Et en réalité, voilà, maintenant on est en train d'étudier, on est en train de rentrer dans Sukkot, et on voit qu'il y a cette idée de Naanouim, mais ben nous aussi, quand on étudie la Torah, il doit y avoir ces Naanouim, ce mouvement. Kishem shenanua luav poel nanua gam bechar shloshet aminim kanal bekiyum amizvot ad shegam haavoda benyanei reshut shel bechol derachat dayehu bemesher kol hayom yiye eslam beofen shel ilur. Donc quand toi tu fais cette gviyuta Torah, tu étudies le matin, tu fais un petit shiur de Torah, tu fais chitat, après ça, ça doit t'amener que dans le reste de la journée aussi, tu vas être dans une idée de progrès et d'avancer. Atrala bekol haamur et ayegiya veitas veitamkut betorah ou les afsha l'Hashem. Donc c'est l'idée en réalité d'approfondir et d'en rajouter pour Hashem. La lechet bechol yom maala maala, de progresser de jour après jour. Kasher mityagim yeshna at aftacha, et lorsqu'on fait ces efforts là, il y a une promesse que quoi, chez yegiya il y avait les matzat, c'est-à-dire que les efforts, ils amènent quelque chose. Gati ou matzati. Ouais. Ya gati ou matzati. Tamin. Shelo lefi erer ayegia. Et pas seulement ça, c'est que ce que tu vas trouver avec tes efforts, c'est même sans aucune mesure de tes efforts. Ça va beaucoup plus loin. Le cadeau qui se cache derrière les efforts qu'on fait dans la Torah, il est énorme. Kemo mitzvot haba. Parce que quand tu dis une metzia, c'est quelque chose que tu t'attends pas en fait. Trouver. Ouais. Quand tu trouves quelque chose, c'est tu t'attends. Dire trouver quelque chose, c'est tu t'attends pas. Mais ça veut dire quoi que tu t'attends pas? C'est-à-dire que tu étudies et oh, ce que tu trouves, tu t'attendais pas à ce que tu trouves. Valier Descartes, yavou sof kol sof gam les gilouy shel pnimiut haTorah, et tu vas arriver même à une compréhension de la profondeur de la Torah, l'idée de Mashiach Tzidkenu, celle qu'on va connaître avec Mashiach Tzidkenu, chez Yabbejiat Mashiach, Igam Inyan Shel Metzia, comme on sait que le Inyan de Mashiach, ça vient aussi Besser Adat, comme une Metzia. Mais si tu as l'Emouna, comment tu peux être surpris d'être étonné que ça peut être plus? Quand tu as l'Emouna, tu te dis, même ce que tu ressens, tu vas dire, oui. Je ne sais pas. Oui, oui. Tiens, l'aïmouna en l'infini, comment tu vas être surpris de quelque chose si à la base tu crois en l'infini? Quand on dit surpris, ça veut dire c'est comme un cadeau que tu
D'accord, mais quelqu'un qui a vraiment qui branché un qui en orbite sur cet infini, il y a la fin. Oui, mais il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas blasé. Que c'est waouh. Wow, oui, d'accord, on est content, mais on n'est pas étonné. C'est-à-dire, on se dit, on s'attend. C'est Dieu quand même. Non, mais j'ai compris. Mais... Non, c'est un sentiment incroyable que tu peux ressentir. Oui, c'est un sentiment incroyable que tu peux ressentir quand tu étudies la Torah et que tu découvres quelque chose. Je comprends le choix. Et que, waouh, tu as compris quelque chose. Oui, oui, mais tu ne vas pas être étonné. Je veux dire, que c'est HM, c'est l'infini. Ça vient. C'est le talent que moi, je peux comprendre. Ah, ça, oui, mais ce n'est pas ça qu'il te dit. C'est pas ça que c'est pas que t'es pas étonné. T'es pas étonné sur le. Mais tu te dis c'est Non, t'es pas étonné sur le phénomène, mais t'es étonné sur ce que tu trouves. C'est pas que c'est une question d'étonnement. T'as compris. Une question. C'est pas ça qu'il lui te dit. C'est le cadeau, la surprise, elle est plus grande. Elle est plus grande que ce que tu pourrais t'attendre. Mais moi je dis que si tu es à la base, si tu as cette émouna, tu te dis c'est normal. Non mais ici le rabbi dit que Yagati, c'est-à-dire que t'as vraiment étudié tellement que. Ouais, t'as trouvé ce que t'as eu. Oui, mais tu trouves plus compris, que ce que tu attendais. Ouais. Un ridouche. C'est comme par exemple. C'est la beauté de la Torah, c'est comme par exemple un homme où j'aurais pris. Ou c'est comme par exemple ici Machiar. C'est comme Machiar. Machiar, on attend Machiar, ça fait 2000 ans qu'on attend Machiar. Mais malgré tout, ça va venir comme une Metsia, c'est-à-dire ça va nous surprendre. Mm-hmm. Pas nous surprendre simplement, ça veut dire on va être. Kadosh Baruch Hu va nous bluffer. Kemoshe Katuv, Matsati David Avdi. Amour Odot Mashia, Shuba Be'eser Adat, parce qu'il vient Be'eser Adat Mashia. Ve'inyanim, Shitya Giyu, Aleyem Atav Esigu, Rak Et Bechinat, Agalia Shebaem, Yisku Ga'az Le'avin, Gam Et Tameem, Tameh Atiro, Be'bias Mashia Tzitkenu, Be'karov Mamesh. Que non seulement. On aura tout ce qu'on a compris de la Torah, on va le comprendre maintenant d'une autre manière encore beaucoup plus profonde, qui est un grand guilouille de Torah depuis les minutes de la Torah qui vient avec Mashiach, Tzidkenu. Rabbi Daniel, tu peux trouver que c'est beau, que c'est incroyable, et que c'est pas proportionnel à l'effort que tu as fait, mais c'est comme si quelqu'un va piller le palais du roi. À un moment donné, il va pas dire mais ça c'est un diamant sans carré, il va dire je suis chez le roi, le plus riche du royaume, j'ai pris un sans carré. Mais il peut dire il est beau ce diamant. L'exemple de Mashiach, il est bon. Mais si c'est un diamant, une pierre précieuse que tu n'as jamais vue de ta vie, tu vas être ébahi. Que ce soit chez le plus riche ou le plus grand bijoutier. Malgré tout, tu peux t'attendre au phénomène, mais tu vas quand même être ébahi. Oui, tu vas dire que c'est beau, c'est sûr. C'est beau et c'est plus beau que ce que tu pouvais penser, maman. C'est encore mieux que tout ce que tu pouvais imaginer. Quelqu'un qui n'a jamais été en Israël, si tu lui racontes ce que tu veux, la première fois qu'il va, même s'il s'attend à ce que ce soit le plus beau pays, mais. Ouais, ça peut être un exemple. C'est veut dire. Quand tu as fait une belle prière à Kippour, tu es parti pour la faire, etc., tu vas être content de l'avoir fait, etc., mais tu ne vas pas être étonné, tu vois, quand tu as envie d'écouter tout, que ça se passe comme ça, parce que tu sais que quelque part, c'est normal que ça se passe comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une différence entre s'émerveiller sur ce que tu as trouvé et être étonné de l'avoir trouvé là où tu l'as trouvé. Tu vois ce que je veux dire ? Un gars, il rentre dans un musée, il va dévaliser, il voit des Gauguin, des Picasso. Si non, mais même voilà, dans Kippour, des fois, tu pries, et tu sens pas que tu connectes, et après, d'un coup, ça te... Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas... Tu as pas ah, d'un coup, voilà, ça te prend pas. Voilà, le moment où tu pleures à Kippour, c'est un moment où tu t'attends pas, et pac, ça te... Rien que le moment où tu commences un truc, tu as une émotion, tu as un échama qui vibre. Ouais. Mais tu n'es pas étonné. Tu vas trouver ça beau. Une fois, le rabbi, il a donné les brachot à des chassidim. Odeshurim, il a dit, ça va être une bracha qui dépasse même ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que, on peut imaginer une bracha, on peut imaginer des choses, mais il y a un effet de surprise. Il y a une espèce de surprise divine, si tu veux. Il vient du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il te surprend. Il te surprend par des choses que, même ça, tu n'aurais pas pu l'imaginer. Ça dépasse son imagination. Ça, c'est un guédère qui est comme ça, s'il y a quelque chose, je me comprends. Et c'est ça l'idée que Matsati David Avdi, c'est-à-dire que le Mashiach, c'est une médecine, c'est-à-dire que bien qu'on attend Mashiach depuis tellement longtemps, et qu'on prie tous les jours pour ça, et qu'on le veut, etc., malgré tout, ça va nous surprendre. Pas parce que ça nous surprend, parce que tout d'un coup, on ne s'y attend pas simplement. C'est parce que ça va être une surprise. Mais si tu as la Emouna, regarde par exemple, je vais te donner un exemple à Mavzi, pas pour comparer. Einstein,
ils ont fait des expériences où ils ont vu que, tu vois, ils ont envoyé des choses près d'un trou noir, ça rougit. Donc ils ont dit la théorie, tu vois, de la relativité, elle s'applique même dans les trous noirs. Mais si tu pars du principe qu'elle était vraie, elle va s'appliquer partout. Donc pourquoi s'étonner? Tu vois, moi je voyais ces articles, si tu pars que cette théorie elle est vraie, le vrai il est partout. Il y a des moyens. Si tu reçois une bracha, que tu vas avoir de la panassa. Mais si tu sors de la porte et tu trouves 100 000, un chèque de 100 000 par terre, c'est... Ah, mais je serais pas étonné. Ouais, voilà. Moi, je te parle, je vais être émerveillé, je vais voir le prochain, j'ai tout le rang, le pouvoir. D'autres façons, mais je serais pas étonné. Bien, voilà, c'est ça, je serais pas étonné. Mmh. Ouais,